think I got the gist of what went down. But when I try to remember any of it myself, I... It's all right. Don't be so hard on yourself. We all trusted Yosef, and he lied to us. Hey, that's right. And you know what? The important thing now is to move forward. Thank you. Thank you all. But I've got to know the whole truth. I know you all do, too. Then there's only one thing to do. Bust into the lab and hear it straight from Yosef. I'm going with you. Whoa, 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 whoa. You just woke up from a coma. Don't worry about me. I've been lying down long enough. It's time I stood up too. There is no way I'm gonna sit back and let you fight this one for me. Got it? Sounds good. Well then, that makes three. We might not make it back here for a while, so I hope you're ready to finish this. Talk to me once you're good to go. I'm ready whenever you are. Bon, ça va finir par une double fusion. Avec la synchronisation maximum, donc lorsque la synchronisation atteint 100%, appuyez OK pour fusionner. La fusion dure ensuite jusqu'à ce que vous appuyez sur R pour que la synchronisation soit tombée à 0. Augmentez la synchronisation, exécutez des attaques synchro pour augmenter petit à petit votre niveau de synchronisation avec la Légion. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Il y a une quête secondaire ici. On va aller voir ça. Jamais hein, des petits XP et autres, ça fait toujours du bien. Eh, c'est justement vous que je voulais voir. Vous auriez une minute? Ce type que vous venez d'amener ici, il vient juste de se réveiller, pas vrai? J'ai quelque chose qui va vous intéresser, mais donc par ici qu'on puisse discuter. Allez. En tout cas, je sais exactement ce qu'il faudrait pour lui donner un petit coup de fouet. Je propose une boisson qui permet de refaire le plein de nutriments, réduit fièvre et fatigue et donne même un bon teint. C'est avec plaisir que je vous en offrirai un petit échantillon gratuit, mais malheureusement, il me manque pratiquement tout ce qu'il faut pour la fabriquer. Oui, donc tu l'as pas quoi. Je vous propose un marché. Vous me trouvez ces ingrédients et la première tournée vous sera offerte par la maison. Ok, alors marché conclu. Il y a trois ingrédients qu'il va falloir que vous m'apportiez. Je crois même savoir qui pourrait avoir chacun d'eux. D'abord, j'ai besoin de gelée royale. Ok. Il y a un type à l'étage qui en a raffolé autrefois. Vous devriez lui demander. Ensuite, il nous faudrait des scarabées en bocal. Ouais, qui a envie. Salut Renite. Il y a un gars juste à la sortie qui vend un peu de tout. Il y aura peut-être ça. Et enfin, un ingrédient très important, de la poudre de fossiles. On dit qu'un négociant dans les environs de la base en aurait. Vous m'apportez ces trois ingrédients, je voudrais vous fournir cet élixir de santé. Allez, alors donc il y a dit quelqu'un à un étage qui en avait. Déjà, il y a ça là. Oh, code matériel luxe, ça c'est cool. Peut-être pour upgrader un truc. C'est lui qui fait les boosts. Hein. Je peux améliorer quelque chose. Ouais, je pourrais améliorer ma matraque. Le reste c'est pas possible pour le moment, donc on va le faire. Là, ça me fait penser qu'il faut peut-être que j'aille regarder dans... Là-dedans, là. Ah oui, j'ai 12 missions. Est-ce que j'aurais pas des trucs dans les missions réorganisées? Voilà. Ok, mais code matériel luxe. Parfait. Encore un autre? Ah ben... On prend, hein. Est-ce qu'on va avoir les 6? Pas sûr. En courant aux F.
As de l'attaque en saut de chaîne. D'accord. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai dû en faire quelques-unes. Pro de la matraque. Infligé un certain quantité de dégâts. D'accord. Pro du pistolet. Oula. Matériel rare, dommage. J'aurais préféré un truc au-dessus. Matériel rare aux F. Bon, ça peut toujours servir. Hein. Spécial Lopi et armure cabossée. Ça, c'est le truc qu'on peut vendre. La bataille luxe, encore un, ça c'est bien. Courant OSEF. Et je pense que système D. Courant aussi. Ok. Bon. On a quand même récupéré 4, je crois. 4 matériel de luxe, donc c'est plutôt cool. On va grimper, c'est délicat. Il y a peut-être quelqu'un là-haut. Voilà, lui. Deux fois lui, hein. Vous recherchez de la gel royale? Eh bien, vous avez de la chance, mon ami. Un petit moment, s'il vous plaît. Voilà. Du gisant, une seule gorgée, votre énergie sera décuplée à votre santé. Donc, il n'y a pas besoin du reste, en fait. Alors. Toi, Maxi. Oula. On va parler à elle, quand même. Et salut, l'ami. J'ai de nouveaux produits qui pourraient vous intéresser. C'est lui qui va peut-être nous vendre le truc qui nous manque. Un des trucs. Grenade, grenade, bombe, champ de force. Non, rien qui m'intéresse. Vous vous préparez pour le combat ultime, hein? J'aimerais être aussi solide que vous. Oula, ils nous le disent direct là. Fan de la pie. Je veux la pie maintenant. Des caprices. Ah, vous tombez juste au bon moment. Écoutez, j'aurais un autre petit service à vous demander. Vous voyez cette beauté à la chevelure bleue, là-bas? Oui, Brenda. Je suis tombé follement amoureux d'elle. Une chance de comique comme de chemise. Mais vous ne trouvez pas qu'elle a l'air triste? Je ferais n'importe quoi pour la voir sourire. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous savez sûrement ce qui la rendrait heureuse. Elle adore Lapi. Lapi? Vous voulez dire ce gros chien pâteau qui apprend la sécurité routière aux enfants? Ce Lapi là? Mais Brenda a l'air d'une adulte réfléchie. Elle aime vraiment Lapi à ce point-là? Ah, comme c'est mignon. Alors c'est décidé, je vais lui faire voir un Lapi aussi gros et pâteau que possible. Vous allez voir Brenda, je... Excusez-moi, ça pourrait porter à confusion. Ok, elle a pas envie de parler. Et il est parti où l'autre abruti? Il me redonne de la gelée, lui. Et en plus, la gelée royale est très bonne pour la peau. C'est qui doit être en dessous. Non, même pas. Il a pareil, il donnerait pas des trucs. Oh my, a customer. What do I recommend? Well, I think they're... Je crois que tout est bon. Et je suis pas sûr. Hein. Voir un peu ce qu'ils vendent. Gel d'essence, biocarburant, qui améliore, ok. Ok, c'est des trucs utilitaires. You can come back later and buy something. N'hésitez pas à acheter quelque chose. Et vous, n'allez pas le croire, quelqu'un a abandonné un pauvre petit chat dans la rue. Il était couché dans un vieux carton, ça faisait vraiment pitié. À tout ce qui se passe dans les rues, franchement. Il m'a dit qu'il avait vu un pauvre petit chien abandonné dans la rue. Comment peut-on faire une chose aussi cruelle? Il n'a pas dit qu'il y avait un truc par là? On peut descendre, c'est vrai. Pardon, qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez dit des scarabées en bocal? Mais j'ai ça en stock. Qu'est-ce que vous me proposez en échange? Vous savez, depuis la dernière grosse embrouille avec les centraux, la situation n'est pas très sûre dans le coin. Je cherche à me procurer un drone mitrailleur pour me défendre. Vous n'auriez pas un truc de genre? Ah, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Pas la peine de discuter davantage alors. On va nous voir avec un drone mitrailleur à échanger et je verrai ce que je peux faire. Mouais. On va essayer de trouver ça. Pas un problème. Mais il y a encore plein de quêtes ici, mais c'est incroyable.
Je vais faire des affaires, j'aimerais plutôt te tenir. Je ne commerce qu'avec un groupe de gens de confiance. Donc on fasse du commerce ensemble, vous devez me donner le mot de passe. Je sais pas. Non, c'est pas ça le mot de passe. Bon, si vous voulez bien m'excuser. Voyez, vous écartez, j'ai une personne privée. Merci. Pardon, excusez-moi. Ah, voilà, j'ai en stock de nouveaux articles qui pourraient vous intéresser. Mais d'abord, vous devez me donner le mot de passe. Désolé, mais c'est le règlement. Bon, d'accord, comme un charme. Voilà. N'était pas dire. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ok, nous fait blablabla, mot de passe, comme un charme. C'est bon, c'est bien ça, bienvenue dans notre cercle d'affaires. Pour les nouveaux membres, j'applique un prix d'entrée, 1000 G, une affaire. Bon allez, vas-y. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Goutte de fossile, ok. Produit 100% naturel d'origine biologique. Vous savez comme c'est dur à se procurer sur l'arche. Vous avez intérêt à le considérer à sa juste valeur. G. Mais vous pourriez garder un oeil sur ma fille, juste un petit moment, pour la faire décoller. Ma famille dans la zone 08 a besoin que je me rende là-bas immédiatement. Ce n'est pas un endroit pour une enfant, il pourrait lui arriver des malheurs. Et elle est trop petite pour rester seule. Je sais qu'elle sera en sécurité jusqu'à mon retour. Si je la laisse avec vous, je vous en prie, veillez sur elle pour moi. Je verrai sur elle, je sens qu'elle va faire n'importe quoi. C'est vrai, oh merci. Je reviendrai la récupérer aussi vite que possible. Je vais l'enchaîner avec un... 8 minutes. Je suis sûr que tu sais te débrouiller avec les enfants, mais mieux vaut peut-être que je reste pour t'aider, pour aider. Ok. Je sais qu'elle sera en sécurité sous votre surveillance à toutes les deux. Encore merci à vous, je vous en suis vraiment très reconnaissante. T'inquiète pas, t'as vraiment servi de retour. Et tu aimes les tours de magie? Mon ami là est magicienne. Magicienne, prouve-le alors, montre-moi un tour. Eh bien... Je chauffe d'abord avec un petit tour de magie tout simple. Tu vois la caisse là-bas? Regarde-la attentivement, ok? C'est laquelle? C'est ça la caisse ou c'est... Voilà, comme vous avez fait ça. Ensuite, un peu de télékinésie. Mon ami peut faire s'élever les objets dans les airs par le seul pouvoir de son esprit. Attends, il y a un coffre là. Bonjour, je vais prendre le coffre. Il veut que je soulève quoi? Qu'est-ce qui est soulevable dans le coin? Ah bah oui. Ouah, le panneau a volé. Et maintenant, le grand final, prépare-toi à être soufflé. Elle peut même voler dans les airs. Et ça, c'est, ils te disent, regarde, on va t'apprendre à utiliser tes chimères. C'est trop cool, madame, vous êtes une vraie magicienne. Allez, une nouvelle salle d'applaudissements pour notre magicienne et aussi pour sa sympathique assistante, bien sûr. Oh, regarde, nous avons même réussi à faire apparaître ta maman par magie. Vous ne savez pas à quel point votre geste me touche, merci au fond du corps. Merci madame, je suis bien amusé, vivement que je revienne ici. Bon, je vais retourner à l'intérieur. Ça va, c'était petite mission toute sympa. Faut que je trouve un drone mitrailleur et je crois qu'il y en avait un qui vendait. Hein. Je vais juste faire un peu de nettoyage ici. C'était à côté. On va retourner là-bas. Je vais voir si je fais la quête rouge. Parce qu'elles sont intéressantes, les quêtes rouges en général. Iris, shut down. C'était qui la quête? C'était lui. Donc j'allais voir l'autre là-haut. On va choper un drone mitrailleur. Voilà, marchand louche.
Putain, 4000 quand même, hein. Ça m'emmerde pas, hein. Faut un bras, hein. Heureusement, j'ai encore des thunes. Bon, je crois que j'ai plein de trucs à vendre, hein, mais... pas très grave. Allez. Alors, vous m'apportez un drone mitrailleur, bien sûr, faisons l'échange. Alors, l'affaire est conclue, merci à vous, je vais pouvoir déployer ce drone, super. Allez, on va aller ramener ça à l'autre. À côté, l'autre gauche. non, c'est lui la quête. Eh bien, voyons ça. Mais oui, vous avez les trois ingrédients. Je vais tout de suite préparer un stock de cette boisson spéciale. Attendez ici une seconde, je viens tout de suite. Je tiens à garder le secret de ma recette, vous comprenez? Et voilà, ma boisson spéciale. Un véritable élixir de santé. Soupe de pêche X. Ok. Bon, bien sûr, ça ressemble à une simple soupe de pêche, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Cette canette contient mon mélange spécial, effet garanti pour redonner de l'énergie, éliminer les toxines nuisibles et... Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez, dépêchez-vous de la lui apporter. Du travail qui m'attend, moi. Apportez à qui? Dès que je l'amène à quelqu'un. Ça y est, j'ai oublié. Non. Ah oui, si, au collègue qui est pas bien. Donc, notre frère. Pause. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as apporté une soupe de pêche spéciale? Est-ce qu'elle est spéciale au juste? Moi, elle me semble tout à fait normale. Tu t'es fait avoir, pas vrai? Franchement. Désolé, je sais que tu t'es donné bien du mal pour m'apporter cette boisson. Je te remercie. Tu t'es fait avoir, on s'est fait avoir. Sûrement. Allez, on va faire la quête rouge là, puis après on partira sur là. Admire-moi un peu ce drone. Vous avez vu l'appareil photo? C'est moi qui l'ai fabriqué. Je me suis dit que si l'œil humain ne pouvait pas voir les chimères, il fallait tenter d'utiliser un œil mécanique. Mais j'ai trop peur des chimères pour m'en approcher, alors je ne peux pas le tester. En revanche, j'entends dire que vous en étiez une sacrée combattante. Si vous m'aidez à tester mon appareil photo, je vous dédommagerai pour votre peine, ça vous intéresse? Plutôt oui. Vraiment? Fantastique! En ce cas, je vais vous prêter ce drone. Faites bien attention à le protéger des attaques des chimères. Oui, alors là, ça va être compliqué là. On a les petites chimères de base, ce serait bien? Non, même pas. Ok, il y en a d'autres qui arrivent. Et hop, on récupère plein de trucs. Encore à tuer? Oui. C'est un peu plus gros là. Comboté là. Hein.
c'est fini? On a encore des copains avec qui jouer? Oh, ce ralenti au moment où... Récupération de PV. On en a combien le drone? Il est toujours là. Je pense qu'il nous reste le gros là. Ça devrait être bon. C'est fini ou pas? Même pas, il doit en avoir encore. Gros boss. Ok. Poséidon. Il y avait un truc à ramasser là-bas. Bon, en espérant que le drone y survive. Oui, il est pas bien le drone. Panier. Je crois que le drone est vraiment limite là. Merde. J'avais lâché la manette. Le drone, il lui reste pas beaucoup de PV. Hein. Vous avez réussi à faire de bonnes photos? Bon, vérifions vite les données et attendez une minute. Regardez-moi ça, il y a trop de parasites, on ne voit rien du tout. Peut-être que les chimères mettent-elles des interférences qui brouillent des données. Bon, au moins maintenant, je sais que j'ai intérêt à mieux protéger les données. Merci quand même pour votre aide. Oh, un matériel X, ok. C'est cool. Ça m'en fait 5, là. Bon, allez, on est parti pour voir est-ce que je peux améliorer. Ce serait bien que j'arrive à avoir un 6e pour booster. Sinon, bah, je boosterai les chimères, c'est pas grave. Je vais regarder. L'inventaire, c'est là, je crois. Bah, j'en ai 5, il m'en manque un. Niveau soins, ça devrait aller, j'espère. On a un gros truc qui peut nous régénérer de toute façon en plein cœur. Et ça doit être ok. Allez, c'est parti. Go vers la fin. Ready to go to the ARI and finish this? Knock on wood, but this could be our last stand. Better be sure you're really ready. It may be a while before we can come back home. Are you sure you want to go now? You got it! All aboard the chopper! Next stop, the Aegis Research Institute. Pardon. Alors. Jugement. Here we are. I
bet we'll find Yosef up there. Allez, c'est parti. Brenda hooked me up with a floor map, so I can handle navigation. All right, Olive, lead the way. C'est juste pour voir s'il n'y a pas un truc en bas, je sais jamais. C'est les sadiques, hein, les Platinum Games, ils aiment bien mettre des trucs à des endroits. Il y a des chiottes, du papier de verre. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Le dernier truc, c'était papier de verre. Et là... Papier mimétique, papier traité avec une substance réfractive, très brillant, d'accord. Je sais pas pourquoi il y a tous ces papiers et pourquoi ils ont fait ça. Il y a peut-être un truc à la con. It's quiet in there. Too quiet. There aren't even any guards. Something is definitely up here. Even if it is a trap, we can't turn back now. It's a trap. What on earth is Yosef working on here? I can't even imagine. He kept saying he was the only one who can save humankind. But does he even care about humankind anymore? You saw them. The clones. What kind of person would do something like that? Akira. Whatever he's doing, it's wrong. And we've got to stop him. What is it? The elevator. I can see the floor through the crack. If you can get these doors open, we can get out of here. Do you copy? We got out of the elevator. Hey, Ben! Everyone! Are you okay? Can I keep down and out? Olive? Olive! It's no use, I can't get through. Radio jamming? Between that and the elevator shutdown, I've got a bad feeling about this. Ha! J'ai bien fait de regarder. On va prendre tous les coffres qu'ils donnent. Hein. Oh, matériel luxe! Ah non, mais c'est dommage! C'était pas maintenant qu'il fallait donner ça! Bon, bah, on va essayer de booster les chimères. Enfin, faudrait que j'y pense. Ou des armées de lui. This is... Ils ont fait un remake de l'attaque des clones. What the hell is Yosef trying to do with my body? So he's making clones here.
Eh bien, le mec se prend un coup d'épée à deux mains. Mais il bronche pas. Et il peut continuer à t'attaquer. Beaucoup trop. Oh oui, je me fais stun. Sérieux, ils s'arrêtent pas, ils s'en foutent des coups, tu sais. On va changer d'arme. Oh, putain de mode de merde. Putain, tu vas vers le bas et ça te change de... J'ai le frérot qui sert à rien là. Tu sais, c'est des machins, ils ont même pas d'armure, rien du tout, pas d'armes, ils te font plus autant de dégâts que des chimères ou des machins avec des armes. Let's go. Yosef needs to answer for what he's done. Oui, il est en mode vénère. Attention, tu vas te transformer. Il me faudrait quelques chimères là, ce serait bien. Je pensais que c'était tout droit. Je regardais juste devant moi. Le petit coffre qui va bien. Oh, bien ça. Voilà, il suffit de demander. Oui. Je peux même pas les absorber. C'est dégueulasse. Non, en plus, on peut même pas les absorber pour que je récupère des points de vie. C'est dégueulasse. D'économiser les soins, moi. Oui, le X est là déjà. On donne les soins maxi.
all me. Am I one of them? Faut voir si t'as un code barre derrière. Oh. Et on peut aller par là aussi. Bizarre, il y a des espèces de carrés rouges là, de côté. Et moi je peux pas aller là-bas, c'est ça? C'est ça. Let's find a new route, quick. Ma mère nous avait tous tués. Lol. No good. The path is blocked. We must have tripped the emergency defenses. Try your iris. Maybe you can find their controls. Iris, startup. Use your legion to destroy them. Information, iris. Shut down. On voit que dalle. L'esquive, c'est une option. J'ai beau mâcher le truc, alors que j'étais plus en attaque. Je peux le rendre mon esquive parfaite là? Ah ben bien sûr, je touche le truc à un pixel près et ça me tue, d'accord. Il y a quand même quelques gros défauts dans leur système. Hein. Les mobs que tu peux pas contrer, qui te contrent, systématiquement, ça c'est chiant. Il y a un truc là-bas où il y a un coffre. Ça, c'est le plus gros problème, c'est que tu es en train de taper un mob. Lui s'en fout, il peut t'attaquer, tu peux pas cancel ses attaques. Et je trouve ça super chiant. Elle est énorme cette pompée pour taper en AOE. Ouais. Oui, oui, là, de lui, mais c'est pour ça que je l'ai mise. Hein. Ils avaient dit qu'il avait un tourbilol, donc. Je prends moi le tourbilol. On va avoir des vraies chimères. Oh. Ouais, ok, d'accord. Je m'attendais pas à celle-là, mais bon. Look out! A real tough customer just showed up. C'est bien.
fait un peu de place, c'est cool. D'accord, il va de plus en plus loin. Je vais arrêter sa charge. En plus, on peut même pas les absorber, c'est chiant! Putain, faut venir avec un stock de 200 trucs de points de vie? T'es obligé tous de les flinguer et ça te donne pas la possibilité de te régénérer. Je pense qu'ils vont nous faire utiliser tous les trucs. Je suis trop loin. Allez, là faut le chien. Bon, un gros couloir comme ça. C'est ça. J'ai à peine lâché la manette pour essayer de me replacer comme il faut. One shot. Il m'a balancé. La chimère qui me tient la patte devant. C'est pas mal.
Oula, grande salle. Combat de boss. Enfin. Combat. On va sortir le tourbillon. Ok, d'accord, il est plus rapide et il me stun direct. Ok. Ils sont plus rapides que moi, sérieux? Et en plus, tu te fais shooter par. D'accord. Y'a combien de milliards de points de vie? Et je suis stun, bien sûr. C'est quand même du n'importe quoi, les mecs se font taper. Il me stomme tout le temps, c'est chiant. Ah, et puis en plus, il m'empêche de prendre mes soins. Je tape, mais qui donne deux coups, Justin, c'est n'importe quoi. Putain, quelqu'un se prend un coup d'épée à deux mains, il doit être stun, quoi. Eux peuvent me stun, je suis en train de faire un gros coup avec une épée à deux mains et le machin arrive à me stun et à m'empêcher. En plus il esquive mes chimères. Non mais sérieux. Faut rester au sol. Putain. Oui non mais ça je l'utiliserai, mais non mais je pense qu'il n'y a pas de problème, je vais... Je vais pouvoir le finir, j'ai de quoi me remonter tous les cœurs. Mais c'est débile, il y a des trucs, ça va pas, quoi. C'est con d'avoir fait comme ça. Je veux dire, le machin, il se prend un coup d'épée à deux mains. Oh non, je bronche pas. Moi, je me prends un petit coup de Samas, je suis stun direct. Il y a des trucs qui sont sympas dans le jeu, mais le... Y a des trucs dans le système de combat qui vont pas. C'est tel t'as les mobs, ils sont tous plus forts que toi. Alors que t'es censé... Même les humains sont plus forts que toi. De base. Alors que t'es censé quand même être un petit peu plus costaud, quoi. On va remonter la chimère, là. On a bien utilisé son énergie. Alors je sais, je gueule. J'aime bien le jeu, hein, mais il y a des trucs, ça va pas. Et faut le dire, hein. Oh, bah je suis presque mort, c'est bien. Ah, mais en plus, un coup j'étais stun. Oh, bah oui, continue à me stun. Et puis en plus, t'as des attaques en boucle, tu peux pas attaquer. En plus, tu vois que dalle. J'ai pas envie de... J'hésite à gâcher mes points de vie, enfin, mes trucs de soins. Bon, là, ça va, j'ai encore des... J'ai pas encore entamé mes... Mais pourquoi j'ai le putain de connard de loup, là? C'est tout nul. Putain, j'ai déjà perdu beaucoup... Tu vois rien, en plus.
T'étais coincé? Merde, je voulais en achever un, zut. Je peux rien faire, je viens de me faire enchaîner là. Heureusement que je vais pouvoir récupérer tous mes points de vie là. C'est vraiment mes PV. Je peux pas bouger. Heureusement que là on a de quoi récupérer des points de vie. Hein. J'ai oublié de prendre plein de coups, c'est horrible. Ça va. J'ai le temps. Ah. What? Ah oui, c'est des trucs... ok. C'est une version un peu spéciale, celle-là. Que dalle, on voit que dalle. Putain, l'ascenseur il est mal. Oh merde, le truc, j'ai pas pu le prendre. Non, c'est bon, je crois qu'il me l'a donné. Look, over there. We better go too. Les ascenseurs sont mal fréquentés, hein. Sérieusement. Faudrait qu'il revoie ça. Hein. Lui, il est en train de péter un câble.
I'm the only one. I'll show you. I'll destroy them all. The only one. Stay out of my way! Mais il est con, quoi. I was so happy to be a Legionis. I thought I could finally take care of myself. This power, it's not like yours. I'm just another one of Joseph's projects. I'm not fit to save humanity or Dad. Si tu prends tellement de dégâts, c'est n'importe quoi. Et pareil, lui, fait pareil, il se prend pas de patates. Et il tape à 168 pendant que moi je tape à 38 sur lui, quoi. Non, mais c'est pas abusé du tout, quoi. Reste au sol, c'est très bien. Ben, ça va, elle a comme des dos. Et tu peux même pas, en plus tu fais une esquive, tu peux même pas le contrer. C'est incroyable, les dégâts qu'ils font, c'est du nawak, quoi, par rapport à toi. Et il m'a contré, et je suis stun. Non mais, faut arrêter le jeu, c'est le... De quoi qu'il rend S? Là, il y a eu un rang S? Ah bon? I wondered what all the commotion was downstairs. I should have known it was you. Joseph. You've saved me some trouble, coming here on your own. Ah. I was afraid I'd have to find you myself. Y a tant de retard que ça sur la vidéo? I suppose we have some time left. Come now. Show me what you've got. Il envoie deux boss? Ah bah super. You have a lot to answer for. What the hell are they? Why did you make... Vas-y, attaque 400 fois. To save the human race. Nothing more. Cut the bullshit. They form the core of a great salvation that will begin very soon. Does that clarify things for you? I needed a catalyst to awaken at least one of you to your full potential as Legionis. Soon I found one. Thanks to Jenna's unexpected meddling, I realized I had to account for the possibility of losing you. When you arrive here with your injuries, I... That's when you truly awaken as a Legionis. What a stroke of luck. Not only did I have another Legionis, I also had the perfect opportunity to make backups. After everything I learned from my Legion research, making a perfect clone is almost trivial. I'm sure you can figure out the rest. Oh. Another breakthrough came when you fused with your legions. I analyzed that. J'ai même pas le temps de lire parce que je suis obligé de surveiller tout l'écran. I truly couldn't have done. Ils aiment bien ça, Platinum. Ils aiment foutre des trucs comme ça à la con. You still don't understand, do you? I've overlooked your imperfections up until now. In honor of your service,
That ends now. There's nothing you can do to stop me. So be good sports and give yourselves up. Oh oui. Ah. On peut récupérer tous les PV. Je pense que Laurent, tu gagnes beaucoup dans les rangs. Oula. Surtout si tu fais beaucoup d'espèces de combos avec les. Comme je fais là. Bien sûr, descendre un escalier, je te dis rien. Bon, il est pas là en train de se jouer ou quoi? Putain, pialote là qui me canne, qui arrête pas de me canarder. Tu peux. Ont tellement de dégâts, c'est Nawak. Et c'est ma dernière. Combo, c'est horrible. Il t'attaque toujours avant et en plus l'esquive part pas parce que t'es déjà dans un mouvement d'attaque. Et merde, j'aurais pu le récupérer. Lui. J'ai appuyé sur le bouton, l'esquive elle a fait option. Putain, mais il est nul ce chien, il touche que dalle quoi. Ah putain, j'ai pas pu le récupérer. Bon, on sait, ça m'étonne pas. Ah, maintenant on a les autres. Quoi? Et pas écoute à côté, ils vont exploser. Ah non, ils deviennent version ok. Now you'll see the true inner workings of Legionic Fusion.
witness the door opening to the future of all humankind. And now, upon this newborn core, I build my Ark. Behold, the savior of all existence, Noah. It begins. All will become one within Noah. A singular nexus of existence. Ouch. Taper les mains, monter sur le côté, taper la tête, c'est ça? Oh non, putain, il va falloir encore courir sur les autres. Non, c'est bon. On va pouvoir juste le bastonner comme ça. Ah, oh, putain, il va falloir courir sur les zones. Eh, merde. Oh, bah, bien sûr, j'y avais la seule qui allait pas, bien sûr. Putain, il te remet pas sur la bonne. Mais sur la pire. Oh, il me saoule ce jeu. Oh, que ça me saoule quand ça fait ça. T'as 2 secondes, mais le truc, il écoute pas. Bon, ça sert à rien de tirer pour le moment. Non, il tape au milieu, là, non? Putain, ça me gonfle, le personnage qui a fait non fait un dash en arrière, putain. Il y a des capacités qui sont casse-couilles dans le jeu. Ah bah je tombe, bien sûr. Bah oui. C'est tellement bien fait. Sérieux, il y a des passages, mais ils auraient jamais dû les faire, quoi. C'est bon, il va s'arrêter ou on va pouvoir un peu l'attaquer, ou c'est une option? On lui fait pas de dégâts pour le moment. Et vas-y, la corde était pas assez longue, c'est bien. Allez, je vais tomber. Je vais tomber. Bah voilà, je vais tomber. Jeu de merde. Je vais perdre tous mes points de vie là-dessus, quoi. Tellement c'est naze. Tellement tu vois rien que le truc, c'est... T'as 2 secondes pour y aller et...
Mais bon, ça y est, c'est fini ou ça va durer encore longtemps ce truc? Et là, je vais tomber, non, c'est bon. Ah, je suis dans le vide, putain, va te faire foutre. Ah, il me reste pas de points de vie. Ah, et bien sûr, ça m'a mis le chien. Vas-y. Putain, en plus, ça te fait recommencer au début à chaque fois et je vais tomber dans les airs. Je vais tomber, putain. Ça te fait reprendre au début à chaque fois, mais c'est débile! C'est pas comme si c'était chiant et qu'elles étaient lentes, les chimères! Et je suis dans le vide, putain, va te faire foutre. Et on est obligé de recommencer. Non mais sérieusement. Putain, mais ils ont pas testé leur truc, c'est pas possible, tellement c'est naze. Et bien sûr, j'avais invoqué la chimère et me la vire. Allez, la caméra, dépêche-toi. Allez! Putain! C'est bon, c'est fini ou il y en a encore? On va peut-être pouvoir le taper ou... Parce que là, ça devient gonflant. Hein. Ah, ce passage chiant, mais vas-y, quoi. Si c'est juste ça, le boss final, c'est naze. Je le dirais. Hein. Pas de risque, hein. Et on voit rien, c'est en dessous de toi. Et tu vois pas tes pieds, c'est nul. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de me faire one shot. Ok, c'est pas mal. Encore un boss bien équilibré. T'as le truc qu'ils nous ont mis au début, quoi. Mais attaque-le, putain! Débile profond! Ah,
Ben c'est bien, j'ai pas de chimère. Magnifique. Allez, mine ton cul. Ça dira rien. Mais pourquoi il me la sort pas? Parce que faut que je sois à plus de poids de 180. Ben mais c'est naze. Ben non, c'est plus 100%, faut être à 180 pour que ça soit bon. Non mais c'est nawak. Bon, il est où mon mon truc max? Ah, je l'ai pas, c'est va te faire foutre. T'avais un gros DAE. Il est où? Je l'ai pas utilisé le gros. Quoi? Mais il est où mon gros? Tu l'avais pas utilisé la dernière fois. Qu'est-ce que ça fait ça? Je sais pas combien de temps ça dure, mais on le prend. J'étais persuadé que j'avais encore un gros truc DAE. Ah ben non, d'accord, bon ben on va être mort hein. Tellement c'est chiant. Troisième. Il y a 250 de dégâts, quoi. Il est où? Ils sont où les autres? Putain, t'as tes fleurs à peine, tu prends les dégâts, quoi. Il y en a où? Il y en a un 4. Oh bah oui! Prends ton temps aussi pour les détruire, je te dirai rien. Et là, on a détruit que l'armure, c'est ça? Ah ben bien sûr, fais le dash juste sur le truc qui va pas. Putain, pourquoi il m'en a remis un? Eh mais il faut qu'il arrête avec ça. Hein. Ça devient vite chiant là. Il a Kemara qui fait n'importe quoi. Allô? Et il est où le dernier? Oh, c'est bien, oh, bravo, putain de... Non mais sérieusement? Non mais c'est nawak quoi! Puis en plus tu le vois pas le dernier! Et pourquoi j'ai changé de chimère alors que j'ai pas voulu? Ah oui, tu esquives comment là? Tu te prends tout? Bon, de toute façon, c'est simple, ça, c'est si tu le prends, c'est one shot. C'est ça? Ça, c'est pas encore fini. Le pire, je pense que là, je vais pas arriver à le tuer, hein. Salut, Wet Wax.
Tu prends tellement de dégâts, c'est nawak. 4 coups, il te tue. C'était le combat final. Ok, d'accord. Pourquoi ils nous donnent des trucs encore? Ouh, c'est pas fini? Hey, you're alive. Great. You really had me worried for a minute. Wait, where's Akira? Ah. Voilà, je le sens pas du tout. Non, non, pas des plateformes de merde où il va falloir sauter. Non, 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 putain, ils font chier avec ça. Putain, j'espère qu'on n'est pas obligé de sauter. Hein. C'est quoi ces dégâts? Non, mais tu peux? Ok, l'esquive et réattaquer derrière, c'est inutile. Ah si, on arrive quand même à le... Lui il te stun mais 3 heures. Lui il est stun que 2 secondes.
Mais il te laisse même pas le temps, quoi. Bon, dernière vie. Ah, puis, ouais, il est même pas stun, tu vois, là. Et puis, alors, dès que tu t'es pris un coup... Ah, bah, d'accord. Dès que tu t'es pris un coup, t'es stun. Et tu peux pas esquiver le deuxième. T'es obligé de tout prendre. Tu peux, t'as rien le temps de faire. Si t'es obligé de prendre en fait. Je suis obligé d'attendre les 180 pour qu'ils reviennent. La carotte tourne tellement vite que t'as pas le temps de changer de cible, quoi. T'es obligé de prendre. Non mais il m'a mis de dégâts là! Non mais c'est Nawak. On va faire comme d'hab, hein, au pistolet. Et puis ça, tu peux être obligé de courir. Il est où maintenant? Là. ...372 de dégâts, plus 186 derrière. Non, non, ah ben mort, ben c'est fini. Voilà, super. Magnifique. Encore un combat super bien équilibré. Ah, putain, j'espère que je suis pas obligé de tout me retaper le boss d'avant, etc. Que je reprends lui. C'est le problème chez Platinum Games, ils savent pas équilibrer les boss. On va se taper tout en distance, hein, c'est tout. Tu peux pas passer ça, on s'en fout. Soit ils sont trop faciles, soit ils sont trop pétés. Les dégâts. Ah bah oui. L'esquive, c'est une option. Mais prends ton temps pour te relever, je te dirai rien. Non mais sérieux, 3 heures pour se relever, quoi.
Putain, à bout portant son truc, impossible d'esquiver, quoi. Putain, en plus, tu le soulèves même pas, lui. C'est quoi cette attaque? Il a pas encore fait celle-là. C'est Nawak, sérieux. Mon avis, c'est que j'ai dû lui faire plus de dégâts que tout à l'heure. Mais ça va, il suffit de courir. Sauf que tu prends. Non, mais Nawak... Ah, puis ils m'ont remis avec un seul point de vie, point barre. C'est ta gueule et crève, quoi. Ah ben c'est bien, vas-y. 500 de dégâts. Ah, et puis je t'amasse stun, ok. Non mais c'est quoi ces dégâts de débile? On se prend. Je veux bien que ce soit un boss de base, enfin un boss final, mais si le personnage peut pas résister, c'est complètement stupide, quoi. Oh putain, c'est quoi comme attaque maintenant? Oh putain, c'est encore l'autre. Magnifique, tu passes ton temps à courir. Tu peux pas l'approcher. Oh bah oui, 500 de dégâts d'un coup, t'es gelé. Magnifique. Non mais c'est n'importe quoi. Et il est où maintenant? Non mais tu peux pas l'approcher, ça devient chiant là. Et bien sûr, ça vise le mauvais. Hein. Ah, ben j'ai plus de soins normaux, c'est bien. Ah non, je pense que c'est pas possible. Hein. J'ai pas assez de trucs pour me soigner. Je pensais que j'avais mon truc multi pour pouvoir tuer. Enfin, pour pouvoir récupérer 4 points de vie, c'est mort. Vas-y, l'esquive part pas, hein. Va te faire foutre. Ah, mais je suis mort. Quoi? Mais comment je peux être... Mais comment je peux être mort? Il m'a mis 500, j'étais pas... Quoi? Mais quoi? Bah oui, vas-y, je te l'esquive dans les trucs qui te font des dégâts. Je te dirai rien, jeu de merde. Putain, mais c'est pas possible. Putain, je fais une esquive dans l'autre sens. Non, le personnage, il fonce dans le truc où tu prends des dégâts. Mais sérieusement, mais... Oh, mais quel boss de merde. Oh, je vais abandonner, hein, parce que là, c'est n'importe quoi, ce boss. C'est même pas marrant, là. Allez, je vais mourir, et c'est bon, c'est fini.
Non mais sérieux, et là je suppose que je vais devoir recommencer à la première phase. Non mais sérieusement, c'est débile. Non mais c'est pas possible d'un boss aussi débile. Bah oui, c'est pas l'esquive parfaite, normal elle aurait dû passer. Ouais, puis lui il esquive bien. Bah oui, retombe-moi dessus, puis stun-moi. Non mais c'est infernal, c'est vraiment infernal. Pourquoi je l'ai pris, j'étais pas dessus. Ouais, mais pourquoi ma chimère elle est pas sortie, putain ?
Oh bah oui, un coup Sandstone, bah bien sûr. Ah bah oui, continue. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Bref, t'es obligé de te retaper la... Non, j'ai encore soin normal. Soigner là, j'étais bon, pas grave. Ouais, c'est bon, tu prends la totale, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais t'es obligé de te le prendre, c'est bien, c'est magnifique. Oh bah oui, vas-y, continue. J'étais putain, mais c'est tout au pixel près, quoi. Non, mais sérieusement. Tu t'es enchaîné tout le temps. Le monsieur se casse à l'autre bout à chaque fois. Putain, en plus c'était juste la fin de cette partie là, quoi. On peut passer ça? Non, on peut pas, putain. Bon, déjà j'arrive en deuxième phase, c'est déjà bien. Mais c'est Nawa, quoi, putain. Sérieux, il y a eu des boss tout le long, ils étaient nazes, et puis le dernier boss, il est complètement débile.
Ouais, allez, one shot. Non, mais c'est bon, quoi. T'as ce truc, il arrive, tu peux rien faire, surtout que t'es pendant l'animation de tir, t'es mort. Pourquoi on peut esquiver ? Option ? Allez, bonjour, on voit rien. T'es obligé de prendre ? Sérieux ? Putain, même 3 esquives, ça suffit pas, t'es obligé de prendre ! J'avais la manette vers l'arrière, cette connasse, elle a fait un bond dessus, quoi. Non, mais sérieusement, putain, le one-shot, là, mais c'est débile. Bah oui, puis... Stun-moi dans la zone, bah oui. Mais pourquoi? Putain. Je faisais des roulades en arrière, le personnage continue à faire des roulades en avant, quoi. Obligé de prendre. Allez, one shot, c'est bien, c'est magnifique, jeu de merde. Trois vies perdues sur ça, quoi. Allez, et puis t'es stun hein, derrière, bah oui, ça suffisait pas. Et allez, t'es obligé de te le prendre, magnifique. De toute façon, il me reste plus que ça, donc... Oh putain! Avec le chien! Ah bon? Eh merde, j'ai loupé, bon c'est pas grave, vous êtes. Putain, s'il y a une troisième phase, j'arrête. Ok, d'accord, il va tous les passer.
On finit par le meilleur. Enchaîné. Bon, j'ai un rang S malgré ça. Putain. Sorry, I'm late. Now. Well, I can still hold it back. You have to end this. You've got to. Please, do it! Parce qu'il n'y a pas le choix. I'm sorry. Sister. Ça finit comme ça. Oh merde. Oh putain. Oula. Je vais passer parce que j'ai pas trop envie de me faire claim. Ok. Suivant, il y a encore quelque chose. D'accord, ils montent tous les... Ok. Bah non, je ferai pas en extrême, hein, parce que déjà, le boss final, il est débile. Ah, un collier de servitude sur Noé. Sadique. Vous avez rendu les ressources temporaires que vous aviez récupérées, ouais. Merci d'avoir joué pour accéder au fichier 12. Chargez les données de sauvegarde d'une partie terminée. Quoi? Quoi? Bon, je trouve que je vais faire un montage de malade. Ta 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 ta, il y a un fichier 12. On va regarder ça. Hein. Fichier 12, Renaissance. Mais what? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Non, j'espère que c'est pas à refaire le combat. Je serais pas content. Dans le endgame, ouais, peut-être, à mon avis, c'est pour aller... farmer toutes les zones et tout refaire. Chercher les petits secrets, les trucs comme ça. A month has passed since our fateful encounter with Noah. Fewer and fewer gates open throughout the Ark with each passing day. But our troubles aren't over. Jin and Alicia put Neuron back together. They still don't have a new commander, but Olive's making the best of it. Come to think of it, maybe Neuron does have a new commander now, after all. Marie does her very best to pitch in, whether anybody wants her to or not. At the reopened ARI, Brenda's turned her research outwards, to the land we lost decades ago.
She thinks we may one day be able to leave the Ark. She's cautiously optimistic, which is as sure as Brenda ever gets. Hal never came back to Neuron, not even with his drone. But rumor has it, the Hermits have turned over a new leaf towards restoration efforts in Zone 09. Maybe they've had a little help along the way. You never can tell what Hal's up to. As for Akira, he vanished along with Noah. But he's still here with us, too. He doesn't know exactly what happened a month back. Maybe he never will. Why did one get left behind? As an act of mercy from Noah, maybe? Or a gift from the Legions? I don't know. But I do know that I'll keep fighting as long as he's by my side. Until the world is clean again. Until the world is peaceful again. I know someone who would have wanted it that way. Ok, ils ont gardé un clone. Mais peut-être que c'était le vrai. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Eddie's Legionis. Sorry to keep you busy, but we've got a ton of cases piled up. Come back and talk to me when you're ready to get moving. Oh, and don't forget to file your paperwork. Alors, ils vont nous mettre un texte pour nous expliquer ? Non, même pas. Mission réussie, jugement réussi. Alors, première chose. Acheter des soins. On n'a plus rien. Après, on va voir. Là, il me restait 4 soins normales. J'avais pas fait gaffe. J'ai combien en thunes? Ok, on peut en avoir qu'un. On en prend un tout le temps. On sait jamais, hein. Le jeu est assez sadique. De toute façon, j'ai plus assez. Ah, quoi que je les ai gardés, mes trucs de luxe. Donc, je pourrais booster mes équipements. Pas grave. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit là, ce qu'elle nous veut. Another job well done. I knew it. Qu'est-ce que c'est, menu des affaires? Bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Affaire acceptée. Selon, je les continuerai jeudi, au pire. On va voir un peu ce que c'est. Où ça, est-ce que c'est scénarisé ou est-ce que c'est juste des... Neutraliser les menaces. On va aller voir ce qu'il y a là-haut déjà. Il y a quelque chose à récupérer.
Et les missions qu'ils avaient peut-être prévues et qu'ils ont pas faites, ont pas, pas scénarisées. Il y a un coffre là. Fait chier, c'est encore des trucs qu'on peut pas absorber. Oula, cela si on, à mon avis on doit pouvoir. Dans la petite ruelle, c'est pas ouf, avec des mobs qui sautent dans tous les sens, juste. On a déjà tué l'autre ? Menace neutralisée, mais il y a l'air d'avoir un autre truc. Un petit code, allez. Bien, en fait, il y a une bulle qui se fait, je crois que c'est grâce à cette chimère qui fait que c'est bon, menace finie, il y en a encore. Il y en a encore. Il a compris toutes mes attaques, sérieux ? Hop, tout le PV.
Ok. Ah, j'ai même pas le temps de prendre. D'accord, c'est des petites missions juste de baston. Ok. Ouais, y a même pas de scénario, c'est un peu dommage. Je suppose que là, on doit pouvoir faire les toutes les quêtes, par exemple, que j'ai loupées des missions précédentes. Je peux aller les faire, à mon avis. Et là, je suppose que je vais lui parler, elle va me donner des récompenses. Non, même pas. Another job well done. Alors pourquoi objet verrouillé? Bon, celui-là, à mon avis, ça va être un gros boss. Bon, on verra jeudi, on les fera, et puis dans la foulée, je commencerai le nouveau let's play. Je vais arrêter pour ce soir parce que ça m'a bien éprouvé l'autre boss à la con là. Putain de boss de merde. Oh, sérieusement, le boss final c'était un peu nawak sur pas mal de plans. Enfin voilà, merci pour ceux qui sont passés sur le live, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage, il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.